Nice, Celles-sur-Belle, c'est parti pour cette rencontre de la 17e journée de Ligue Butagaz Énergie. Le 7e accueille le 9e. Von Pereira, Marie Fall, Oleyova. Voilà, avec de la vitesse et ça va attaquer côté droit. Von Pereira, ouais, c'était bien pensé ça avec cette rentrée de Marie Prouvencier. Le ballon lui a échappé. Et derrière, on insiste, et à juste titre, hein, sur l'extérieur. D'avoir des joueuses qui émergent, mais pas toujours dans la possibilité de les garder. Oh, et ça, c'est le spécial. C'est le spécial, Celles-sur-Belle. On en a un ou deux par match. Et bien souvent, à la passe ou à la conclusion, on retrouve Leslie Briément. C'est superbe. Oleyova. Quel bon ballon d'Oleyova. C'est vraiment une pépite, hein, cette Jovana Oleyova, Adriana Oleyova, pardon. Et déjà Chambertin qui ne s'est pas encore illustré par le scoring depuis le début de la partie, la néo internationale française. Elle qui prendra la direction de Metz la saison prochaine, qui a eu une première sélection un petit peu mitigée, on pourrait qualifier ça ainsi. Amélie, c'est pas évident, hein, avec la pression devant la famille. Une première sélection, c'est particulier, c'est difficile de vraiment lâcher les chevaux. C'est un classique, hein, suffisait d'en parler. On l'a aidé. Là, elle y est allée avec les qualités qu'on lui connaît pour égaliser à 13 partout. Ouais. Allez, Niçoise qui a envie de bien terminer à domicile ce bloc de match. Parce que derrière, il y aura un déplacement difficile à Chambray. Ensuite, Saint-Amand. Et après presque un mois d'écart, hein. Vous savez, il va y avoir une trêve, il va y avoir l'équipe de France, puis la Coupe de France. Et pour le coup, Nice n'avait pas encore eu ce match d'exempt face à Bourg-de-Péage. Que l'on revoit encore, hein, un très bon travail de Jazz Chambertin. Ce sera un jet de 7 mètres. Elle est à 2 sur 2 dans l'exercice d'Iana Stevin. Elle va essayer de réduire cet écart qui a enflé en faveur des Niçoises. Et non, parce qu'on a une Maria Cholic qui est vraiment dans son match depuis une bonne vingtaine de minutes maintenant. Ouais, bon moment là avec ses bras. Voilà, ouais, vous retournez au vestiaire avec une sensation mitigée, les Celloises. Ouais, la prise d'intervalle. Et ensuite, le ballon astucieusement glissé entre les jambes de Justine Liquebrandt. C'est bien fait de la part d'Aimé Von Pereira. Plus 4 pour Nice. Et derrière, une défense agressive, du volume, de l'intensité dans ces dernières secondes. 17 à 14 pour Nice, qui a été malmené en début de match, qui a été mené jusqu'au quart d'heure de jeu, 20e même. Et Nice a repris les devants pour avoir le plus gros écart de la partie. Ouais. Zontine avait réussi à revenir. Et nouvelle parade sur jet de 7 mètres de Maria Cholic. Elle avait réussi à stopper la dernière tentative de Diana Stevin. Là, c'est un arrêt devant Anna Allen. Et oui, derrière, ça coûte cher parce que Adriana Oleyova se faufile et trouve le petit filet de Laura Porte. Plus 4 pour Nice. Et les joueuses scandinaves qui n'aiment pas. Réputé lorsqu'on remet un petit peu de volume, un petit peu d'intensité défensive. Et puis parfois on pourrait être tenté quand on est des grands gabarits de rester à 6 mètres, mais non, on peut aussi. Et tout le travail de cette défense a permis l'interception de Marie Prouvencier qui a cherché à l'opposé son alter ego de l'aile Diana Bassi. Ouais, c'est vrai que là, il y a à la fois en défense une vraie baisse de lecture, en tout cas de la part de Nice, plus de déchets aussi dans le jeu. Ça aurait pourtant été très propre pendant 45 minutes. Et celle qui a vraiment l'occasion, pas mal d'occasions même de recoller. Et alors, il est très élogieux, hein, Clément Alcacer, à l'endroit de Maria Cholic. On l'a vu avoir vraiment ces séquences où elle est très intéressante. Là, ça fait plusieurs buts qu'elle prend comme cela. Et derrière, là, c'est un arrêt estampillé. Justine Liquebrandt. Justement,
enfin du moins pour celle à Paris, de dérober des ballons comme ça sur la fin, dans le money time. Djenné Bassi avec ce tir, oh, il fallait le prendre au meilleur des moments pour Julia Fabo et Shana Abdelbalek ayant écopé de 2 minutes. Il fallait bien quelqu'un qui devait prendre ses responsabilités. Eh bien, c'est l'Italienne, elle qui n'était pas forcément en réussite depuis son entrée sur le terrain. Et eh bien, ça a été une belle partie au final. Hein. On avait annoncé un match qui allait être serré. Ça a été le cas. Hein. Il aura fallu attendre les 3 dernières minutes pour véritablement voir Nice s'échapper. Plus 4 avec ce but d'Anne Emmanuel Augustine. Elles ont des atouts, les Niçoises. Elles ont su les mettre en évidence encore sur cette fin de match. Il y a vraiment eu de belles choses hein, pour celle sur Belle. Cette petite fléchette sous la barre transversale encore. Est-ce qu'il part vite son bras à Anna Allen dans cette position là centrale. Marie Fall avec Olejova. Olejova encore, ouais, le poteau, c'est dommage parce qu'elle avait accéléré, mis le frein à main, changé de direction, le clignot, mais c'est le poteau qui renvoie la tentative de la Slovaque et la victoire de Nice 34 à 31 aux dépens d'une vaillante formation celloise qui, eh bien, au bout du compte, au moment de l'analyse, pourra avoir quelques regrets sur les moments importants avec des jets de 7 mètres ratés. Et on a vu oui, des absentes hein, avec notamment Laurine Dembélé qui peut être heureuse de la prestation de ses coéquipières. Nice est en progrès, on le disait, après un début de saison raté à une très belle série de 5 matchs sans défaite. Il y avait eu la victoire contre Saint-Amand, la victoire de 2 buts contre Nantes, plus 6 à Plancuc, plus 2 à Dijon. Un match nul au passage à Toulon, contre Toulon, et la défaite face à Nantes d'un petit but bien n'a pas cassé la spirale, n'a pas cassé la dynamique, Amélie. Ouais, elles peuvent être fières de leur travail, elles peuvent être fières de leur prestation et de la qualité du jeu développé par elles-mêmes hein, du côté de Nice. Le chemin parcouru depuis le début de saison est énorme. On savait qu'il y avait du potentiel dans ce groupe, mais c'est vrai que là, on a pu en prendre encore plus la mesure avec ce match-là. Il y a eu, certes, une période un peu plus compliquée où rester accrocheuses jusqu'au bout, et c'est là leur mérite hein, sur cette partie. Malgré tout, elles auront eu pas mal de maîtrise, pas mal d'arguments avec des responsabilités partagées, des initiatives qui ont été payantes.